Salut à toi fan de zombies, c'est Colère115, aujourd'hui c'est moi le commentateur qui va commenter pour la Obscure Clan. Je vous propose aujourd'hui le top 5 des meilleures armes de la map zombie des Reisendrache qui vous permettront de faire le maximum de manches. En fond, je vous propose une petite game en zombie d'un de mes amis qui réalise un plus de 100 manches sur la map, une performance très longue qui se terminera avec une déco à la 111ème manche. Bref, on s'en fout et on est parti. En cinquième position, le pistolet laser. Je peux vous assurer que cette arme mérite sa place, mais je peux vous le dire, elle ne sert à rien. Vous allez voir que d'autres armes seront plus utiles. Cette arme spéciale ne peut vous servir qu'en début de partie, lorsque vous êtes en train d'améliorer votre arc. Mais sinon, vous allez bien vite le jeter, c'est moi qui vous le dis. En quatrième place, le Dracon. Un simple sniper, mais s'il est équipé d'un viseur Elo et amélioré, l'arme devient très bon. Il est surtout très efficace face aux Panzers, mais pour les zombies, vers la manche 30, il devient inutile. Mais vous vous en doutez, ce sont les arcs qui vont faire la différence au-delà des manches 30. En troisième position, je mets le Breccia et le KRM. Je les mets tous les deux ensemble car ils sont très équivalents. Ce sont deux fusils à pompe extrêmement puissants et que je vous conseille particulièrement pour vous défendre face aux Panzers. Améliorez-les en haut fourneau ou en câble HS si vous voulez massacrer le plus de zombies possible. Ce ne sont pas les meilleures pompes car je vais vous montrer le best du best en matière de fusil à pompe. C'est le Haymaker qui intervient en deuxième position. Cette arme est d'une puissance inimaginable, mais je n'ai pas eu souvent la chance de l'avoir dans la boîte mystère. Je peux vous assurer qu'il tue le Panzer en à peine une cartouche ou deux. Et même, vous pouvez facilement tourner dans la cour et utiliser ce pompe en haut fourneau pour détruire tout le pack de zombies. Pour finir, vous vous en doutez, mais en première place, ce sont les arcs. Ils sont ultra cheat et sont indispensables pour faire de hauts manches. D'ailleurs, je vais vous faire mon petit top des meilleurs arcs. En troisième position, l'arc de la mort et l'arc de feu. Ils sont équivalents, je ne les utilise pas souvent car elles sont inutiles pour faire de hautes manches. De plus, leurs améliorations est ultra chiante et super long. En deuxième position, l'arc du loup. Il serait approprié pour cette place. Il est très utile car si vous êtes bloqué, il peut vous sauver la vie, comme le bâton de vent d'origine. Mais cet arc vous sera plus utile dans les hautes manches, vers les manches 70 à peu près. Pourquoi ? Car il a les mêmes propriétés que le bâton de vent d'origine. Il renvoie toute une vague de zombies en utilisant son pouvoir spécial. Et en première position, l'arc de foudre. Il est un peu moins puissant que l'arc de loup, cependant il vous sera très utile pour réaliser les 70 ou 80 premières manches. En effet, les arcs sont tellement puissants sur la map, car vous pouvez aisément camper que ce soit au spawn, à la Wundersphere ou au clocher. Il vous suffit de tirer une flèche pour que tous les zombies meurent et vous répétez la manipulation autant de fois que nécessaire, car oui, avec l'arc de foudre, une tempête jaillit et tue tous les zombies se trouvant dans le rayon. D'ailleurs, petit aparté, mais vous ne connaissez certainement pas le vrai nom de chacun de ces arcs. Laissez-moi vous en faire part. L'arc cyan, ou l'arc de loup, comme certains disent, se nomme l'hurlement du loup. L'arc bleu, ou l'arc électrique, se nomme l'orage. L'arc violet, ou l'arc des crânes, se nomme prison rune. Et l'arc orange, ou l'arc de feu, se nomme porte du démon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter pour me donner votre avis. Abonnez-vous à ma chaîne si mon commentaire vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de la Obscure Clan. Car cette team, je peux vous jurer qu'elle va vous proposer un maximum de vidéos ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine fois et vous dis à plus.